et qui sont en fait les premiers dispositifs qui permettaient de mettre en place une information qui change. Donc, typiquement, dans une gare, les destinations d'une ville à une autre, et ainsi de suite. Il y a une deuxième technologie qui, de ce type-là, qu'on appelle des NICSI, et tout ça se situe environ dans les années 50, dans lesquelles on pourrait dire, si aujourd'hui on parle d'une esthétique de l'information, je pense que ces éléments-là appartiennent très fort à ce que est aujourd'hui notre société d'information, donc un peu les précurseurs de cette fameuse société d'information, des affichages, et ainsi de suite. Je pense que ce qui nous a intéressé en recherchant ces afficheurs, c'est que bien évidemment, ils sont imprégnés dans notre mémoire. Tout le monde connaît ce moment d'arrêter le train, tout d'un coup, ce renouvellement de l'information, ce bruit. Et tout d'un coup, bah, la destination, et voilà, on peut aller à un quai ou un autre et on sait de l'information. Et je pense que ça, cette mémoire, en tout cas, qui est aussi une mémoire sonore, nous a fortement intéressés à travailler sur cet aspect-là. Et on a eu la chance qu'à un moment donné, ils ont changé ces afficheurs à la gare de Bruges, et on a pu récupérer un grand tas de ces afficheurs, parce qu'ils ont pas uniquement changé le tableau principal, mais sur tous les quais, et qui fait qu'on a pu mettre la main sur toute une série d'afficheurs, mais qui étaient dans un état très très pitoyable. On a dû tout refaire, tout nettoyer et ainsi de suite, pour le refaire fonctionner. Et donc l'installation qui est présente ici utilise 512 de ces afficheurs mis sur un cercle dans lequel le public peut pénétrer et essentiellement revivre cette expérience très très sonore.